responsable COPEL bi di transmettre leen tamit nuyu suñu directrice Fatima Diallo gouverneur Théo ci suñu rencontre tay mais yalla def na dafa voyager donc ñu ngi tay fi ci Foundiogne pour célébrer liñu tuddé journée mondiale de l'environnement donc wa CRADESC Rennes vraiment am nañ possibilité ak COPEL bi fêter jour bi parce que bëss bu mag la ci suñu dund parce que suñu waxé environnement lepp danaka ci environnement bi la moy souf yi pour mbay mi pour nap bi danaka liñu war parce que suñu ko traduire en français environnement moy ce qui nous environne ce qui nous entoure donc so xolé suñu contexte liñu tuddé changement climatique indi na ay jafé jafé yu mag par rapport ak suñu dund moy ci taw bi lolou gis nañ ko amna ay changement ci cham zone bi ñu tuddé salinisation amna ci donc so xolé ak Foundiogne ak Fatick so xolé souf bi da naka xorom ngay gis donc so xolé fofu mënuñu fa bay lolou moy salinisation donc phénomène mbirum changement climatique dina ko accélérer wala accentuer ko donc lolo taxone ñun wa CRADES ñu né tay dinañ ko reen dinañ ko fété fini ci ñaari aspect premier aspect bi moy dinañ magal bis bi moy journée mondiale de l'environnement ñu def ko ay sensibilisation plaidoyer ci waxtanat ak résilience par rapport ak delta moy population delta ci contexte changement climatique mais surtout ci exploitation pétrole bu sangomar parce que xamnañ ñu depuis 2021 je pense que président COPEL wax nako CRADES mo ngi fi intervenir ci delta bi pour jappelé len par rapport à conséquences potentielles ci walum exploitation pétrole so ken tene mënu ñu ko téré en tout cas ñu def ko en sorte que impact yi ñu mëna len amoindre te tamit ñu mëna prendre en compte préoccupation communautaire lool moy objectif accompagnement wala plaidoyer bi benen patch bi moy que dinañ profiter ci journée bi deuxième aspect bi moy que wa CRADES dañu bëggo accompagner jigen delta yi ñu yëngu ci ostréiculture wala ci apiculture mais je pense que li kurel li ñu gëna xam moy forme GIE donc lolo tax ci suñu plan d'action reine intégrer na accompagnement économique bi pour ñu mëna gungalé gungé les femmes moy les groupements d'intérêt groupement de promotion féminine pour ñu taxawal li ñu tuddé société coopérative bala ñu taxaw taxawal société yoyu il faut ñu xam d'abord ñu def lu ñu tuddé un diagnostic des organisations présentes lolo tax ñu and ak suñu doyen monsieur Fally Badji qui est un spécialiste des sociétés coopératives. Nous def d'abord une étude de faisabilité. Faut nous diagnostiquer d'abord nous saytu bir ñu xam delta bi comment ces femmes là sont organisées. Après étude bi dina woné su kenn téne mën nañ def ñet ñent sociétés coopératives. Lolu étude moko wara won. Donc objectif journée bi moy célébrer journée mondiale de l'environnement. Mais profiter walé tamit pour nuy walé suñu jigen après waxtaan ak ñom mu nekk une première prise de contact après su ñu ñibisé Dakar moy consultant bi mom dina déplacer wu ci commune yi pour waxtaan ak jigen yi pour ñu def étude bobu après ñu xol nan lañ mëna taxawé société coopérative donc profiter walé tamit wax na len CRADES def na ci delta bi lu ñu tuddé ben programme un nouveau programme parce que suñu action depuis 2021 ba légui dañu bokkon suñu ben programme ñu tuddé ko gouvernance des ressources naturelles légui nak dañu recruter ben responsable de programme moy sama mbokk Ousmane Baldé mom moy jité programme justice climatique et transition énergétique programme bobu c'est juste pour delta bi moy justice climatique bi sank wax nako par rapport ak changement climatique hein te
tamit ak transition énergétique bi ñu ngi ci ak l'exploitation du pétrole. Donc moom may yute programme bi ma profité waale pour mu ma nuyu ko ma présenté leen ko tamit parce que moom mooy après prendre la relève ci activité yi ci biir Delta bi. Donc pour ma bañ a dugg gudd daal maa ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di vraiment am mbégte pour teew ci journée bi te tamit ne leen vraiment en tout cas ñu ngi ci seen côté pour mën a leen accompagner incha allah. Donc maa ngi leen di nuyu di leen gërëm. Asalaamaaleykum. Comme jox nañ ma parole wax dëgg yàlla am na fi ñoo xamante ne il faut que dinañ def ay présentation. Moussa Mané est là le doyen nga xamante ne GIE Mass la jógee moom su dëggee lëm rek wax dëgg yàlla il n' est plus tranquille parce que c' est son domaine. Daanaka Mok son ami ñoom ñoo formé tout le Delta du Saloum la plus grande partie ci jigéen ñi ñoo leen di formé. Donc suñu demee ba dégg lu mel ni tey professeur je crois que Moussa est un appui potentiel pour que sa liggéey gën a yomb. Voilà vous pouvez identifier les GIE les groupements les individus ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci affaire boobu. Moussa est là bas Moussa Mané donc il fait partie du COPIN. Keneen ki ma bugg a présenté tamit avant les présentations mooy Khady Faye. Khady Faye seen doom la fii la dëkk mais je dis que Kradek li mu réussir fii ak COPIN fi mu egg nii tey su fa agee c' est principalement grâce à Khady ndax Khady jigéen la mais jàmbaar la. Donc c' est des gens il faut ñu bàyyi leen fi xel mënuñu nekk ci groupe te sargal ñu leen au nom de cette journée wax dëgg yàlla Khady sargal nañ. Maintenant Balde am na ku mu leen présenté ci mooy beneen Balde y a Moussa Balde ils sont tous professeurs hein ñoom ñëpp ay borom xam-xam lañu ay kàngam lañu. Donc monsieur Balde Bale Moussa lañ doon waxal ñu jekki-jekki rek ñu gis Ousmane Balde voilà léegi ma ne ko yow pa kii il est envahissant dafa mel ni li ñu leer les herbes envahissant moom du la bàyyi fenn te je sais que c' est un travailleur. Approche ba mu indi beneen approche la l' autre il est un peu réservé un peu conservé un peu jikko voilà mais kii moom kii wax dëgg yàlla kii moom wax dëgg yàlla il est très ouvert très ouvert moom parce que ne kër man damay xool téléphone ma ne ah doo attend voilà ñu jox ko par là voilà moom it mu il se présente mais aussi voilà moom am na Exxon Mobil dafa polluer seen environnement ba yàq lépp voilà léegi pour mën a jàll ci loolu léegi lu ñu naan justice climatique terme boobu daal boo ko déggee benn instant da ngay jàpp ni notion politique la maanaam politicien ñoo ko andi wala un politique ko andi pour mën a defar seen kaddu pour mën a defar seen doxin yooyee ko mais loolu boo xoolee tamit justice climatique boo soo dégg justice li ngay njëkk a xalaat mooy yoon maanaam ku ñu tooñ ak ku tooñ maanaam nga jaarale ko ci yoon loolu la. Donc da ngay xeex lu ñu naan inégalité ëppalaan inégalité bi ngay xeex léegi justice climatique day andi xeex bi pour dindi inégalité bi bu am ci wàllum climat bi maanaam am nañuy pollué am na ñoo xam ne ñoom la ñuy pollué léegi pour nga andi yoon boobu dindi inégalité diggante ñuy pollué ak ñoo xam ne ñoom la ñuy pollué foo nga andi li ñu naan justice climatique parce que ci wàllum climat Afrique jamono jii nii Afrique boo xoolee ci aduna bi fépp lu muy pollué moom ëppul 3% te moom lu ñu koy pollué moo ëpp moom lu muy pollué. Donc de ce fait que foo ñu indi lu ñu naan justice climatique bi te rawani si dans le Delta parce que Delta boo xoolee Delta première aperçu bi ngay am que y a la nature bon su ma nee nature am na ay garab am na ndox am na ay tànn am na yooyu yëpp. Donc loolu boo ko tey boo xoolee gon te boo xoolee jamono ji Delta nu mu tëddee Delta du Saloum pratiquement moom du pollué
mais dañ koy polluer donc pollution bo légui qui delta dafa subir inégalité bob raison pour laquelle ñun ñu bëggone inégalité bob dañ jogé ci lay bon bo téggé tamit justice climatique ñaari fand la fand niveau national ak niveau international bon comme ni mako na expliquer légui so jëlé au niveau national c'est que da ngay xol changement climatique lutax changement climatique am lutax changement climatique am légui ci bir changement climatique ñan ñoko andi manam les responsables de l'émission des gaz à effet de serre donc responsables au niveau national ñan ñoko wara mëna andi quels sont les qui sont les coupables donc bo xolé tamit au niveau international je pense que niveau international situation fa la gëna jafé fa la gëna critiquer parce qu'au niveau international on a le nord et le sud les borom xam xam ñu la bo déglo yene borom xam xam dañ la ya le nord global et le sud global manam le nord global ñom ñoy polluer maintenant le sud global bo moy ñun ñi réew afrique yi ni ñun lañuy polluer donc finalement pollution bi fi nekatul mbirum nit ba nit waye digënté réew ba réew la wala entreprise yu mag yi ak réew yi parce que tay amna entreprise yo xamna tay buñu liggéey ni sen déchets amna déchets amna mbalit bo xam ñom dañ koy am légui mbalit bo fa lañ koy tourer té mbalit bo xamné boko soté fi ni mémi dootul doxati cham gi dootul doxati nap gi tamit dootul doxati ndax lépay dé lo fa lañ wara xolé au niveau international donc justice climatique dafa ñëw pour équilibrer lool yépp pour défar lool yépp pour régler inégalité yu nekk ci lool yépp donc ci walu gogou boko xolé depuis 2015 lors de la conférence de Paris sur le climat bi lool la commencé gëna fess terme justice climatique bi parce que rew buñ togué ni nga xamné li fuyu jëm ak planète bi ak environnement comme niñ ko ay buñ ko naré continuer lu bax donc ci lañu gëna yëkëti terme justice climatique bi voilà donc je crois que vous avez compris monsieur Balde bu ko don expliquer ci peul ci lay don gëna neex waye ñu ngi koy jéggalu comprendre nañu deug yalla comprendre nañu légui tout de suite légui on m'a chargé ñu jox parole suñu kilifa ji ana monsieur Badji voilà pour que day présenter nuyo voilà parce que dafa am présentation bu mo wara def fi mais jox ko cier mu présenter au touti voilà wax ñu nga mu def présentation mom dina ñew mais voilà il se présente ñu xam ko parce que defo naral li jek ñun il va travailler dans le delta et puis je sais qu'il va faire du bon travail parce que c'est quelqu'un qui il est connu au Sénégal ñe pa ko xam fune lañu dajé fune donc kilifa la borom xam xam la fé fuñuy jëm wax dëgg yalla amna solo légui monsieur Badji vous vous présentez c'est bien dini yeen ñep kenn ku ci nekk terum santam dina sama wax dina gatt parce que peut-être na déllu ci wat comme ni que monsieur Mané waxé dama contente trop di ñëw fuñu jëm pour deux raisons lutax ma contente pour ñëw fi ñaari point motax ma contente di ñëw fi la première des choses tubab néna que c'est l'ordre sentimental manam ci sama bir xol la que tibé contentement ñëw fi parce que fi la jangé école primaire en 1958 ta ci lañ ko lolu machallah vraiment ma contente trop mbedd bu nek fuñ juñ daf may rappeler lu bare wa fi la dégone sama ñomine papa yi di nan indépendance sénégal day jënd indépendance bobu ñun ay xalé tuuti lay ñu nan indépendance lu mu doon xana dañ koy lek wala dañ koy nan bobu dañu xamul tour bi nu mu dem mais nak ils étaient tous excités et je me souviens chaque fois bu ma ñëwé fi rek je me rappelle un peu de l'effervescence bu sénégalais yi amone parce que suñ ñomine papa yi dañ nan dañu dem indépendance voilà donc moy première raison donc raison d'ordre sentimental alors motax ma contane ñeu fi ñaaral bi c'est vraiment des raisons professionnelles
jappalé ñi nga xamné aussi ñoma jappalé won bama téki ni ma téké ni parce que bobu fuñu ben école primaire kessé fi amone dans toute la commune voilà et que donc ma amone chance parce que c'était pas tout le monde qui avait la chance di fi dugg di jang donc ma amone chance aussi am fi place jang fi ba am lima yalla may donc na content delu ci wat outil sam xam xam ma partager ko ak yeen wa salam. Voilà, salam alaykoum mboro mi ñu ngi nuyu ñep di len ziar di tambalé ci nuyo bi l'ensemble de l'équipe de Cradex ak ñi nga xamantene ñom lañu wo ñu nekk les acteurs et les actrices yi nga xamné ñom ñoy saytu walum Delta Saloum comme ça dañu bëgg présenter lekkelo bi ñu am ak Cradex dès le début c'était en 2021 ñu commencé won ci palmarin ci deku Clémence Andène ñu ci ñaanal notre regretté Ali Matou Sarr mo ñu fa accueillir ñu ñaan yalla yërem ko djéggal ko té dé di noflayam motax ñu bëgg ñëw tay def touti briefing ci li nga xamantene jotton nañ ko fa def manam dañu jéki jéki en tant que des acteurs du Delta ñu woon ci bénn programme bo xamné day étudier enjeux yi enjeux yi exploitation pétrole wara am ci Sangomar ak Ligo wër bo né Sangomar dafa nek bénn point bo xamantene bu jaayiré day laal tout le Delta té yakarna ñun ni xeyna fi ñu ko défé tay waccu ñu yoon ndax bo bëggé jël Sangomar ay pipeline nar fa joggé ñew ci fuñuñ fi nga xamné dañoo jéki jéki ñu amal ñu fi bénn port ñi naan port bi xorom lay jël ñi naan soukër ñi naan ciép ñu dem ba ca yag dégg né suñu mbandi yi taxaw pétrole la wara jëlé Sangomar ñu jëlé ko fi ci fuñuñ yobbu ko fenen kon population bi fi tok warna ci ki tangé bobu mo waralon bañu joggé ca palmarin dem nañ sokone tassé fa encore ak acteur yi waxtaan xol nan lañu mëna def ba bolo jappalanté créer lutax ñu mëna liggéey bañu fa paré dañoo déllu tanat ci dëkk bu ñu andi waat fa ñaari nit ci ñaari nit ñooñu bañu fa joggé lañu dem Thiès biñu waxtané ca Thiès lañu créer li ñuy wax copil manam comité de gestion la bo xamné dina saytu ak top activité yi ñu wara def dans le Delta Saloum ngir xol nan lañuy def ba exploitation pétrole bi néwuñu dañ koy xex waye dañuy alerter état ngir ñu jappaléñu ndax communauté amul luddul lamuy dundé bu ci yak yak bëggé am faw titangé am ci mo taxone bañuy créer copil bi ñu né dañoo bëgg def li ñuy tuddé ben plaidoyer bind ben plaidoyer té ko mu and ak cartographie dëkk yi nga xamantene ñoo nekk ci l'ensemble du Delta du Saloum ndax buñu faté né fi ba Joal Delta bokku na ci 13 communes yi ñu japp 9 yëpp ci département du Foundiougne lañu nekk té ku xam jariñu Delta Saloum boko bëggé xam dëgg da ngay dem ci bitenti gis na mu taro lañu fa yalla may ak ni mu enclavé wayé té wul jariñul Delta la ci fofu lañu programmé won ba créer copil bobu ci Thiès bañ ko créer ñu am suñu papa mam djegan lay fatigable jeune la nak buñu ko gis ci âge bi yakan mais jeune la buñu ko tégué xamna ak bal dé ték 1 million mom bu yabo ma commencé jubilé ndax xamna né mom papa va gagner ci lañu dem ñu créer ko mom mu nekk à la tête de cette coordination am nañu ko ci top mu ngi tuddu Janone Fay man ma ñëwone en tant que secrétaire administrative ak ñeneen ba ci Hélène Sonko ñom ñep ci copil bi lañu bok mënu ñu ko lim waye rek copil bobu mom mo andi li ñu am tay ci lañu défaat topat yoyu demat ci sokone delu ci wat fi ci fuñuy defat fi ben formation ba genné fi li nga xamanteni dekk bu ci ne zone bu ci ne comme dañ ko détaché won en 4 zones amon nañu zone lo amon nañu zone Sangomar amon nañu zone ñom bato amon nañu zone bi nga xamanteni mom mo bolé won ay Joal ak yoyu fim la biñu ko bolé 4 zones yoyu dañu defon ay cartes carte yoyu reflété dekk bu ci nek ak may yi ko yalla defal ci bir geej ak ci jeri ci carte yoy nak lañu référé won wax né buñu waré def plaidoyer bobu dañu dem defi cartographie participative ci cartographie participative bobu nga xamné day bolé l'ensemble du Delta lañu warona def collecte de données mo waral dégg na sax amna gaay yu fi wax né dañu dox 7 km aller-retour té fék 2 lañ dox na naaj bi mo tangol biñu ko défé dem nañu pour une première fois mu am lu dess ñu déllu ci wat ci lañu démon ci semaine yi yépp ci lañ nekkon biñu ko défé ték nañu ko
ci biir liggéey bobu nak ci lañu journée bi dabé journée bi li tax mu dab ñu mané won ñing ci wala valoriser moy les femmes ndax delta saloum dafa am deux volets dafa am volet terrestre am volet maritime jigen ñi dañuy xey dem ci tool yi bay dugup mba gerté wala ñu bay ciép dem ci ténu xorom yi génné xorom table bi dina ko refléter ci produit yi ñu am buñu paré dem geej jël seeni produit halieutique transformer ko mën ci jaay mën ci dundal seeni njabot kon jigen ñi dañ leen ci délo ndukal tay ndukal bu ama am solo motax ñu andi fi ay GIE fi ñu tok bo démé ci suma am nañ fa quelques GIE nga dem mbam la même chose nga dem jilor nonu nga dem fenen ak fenen nonu ñu andi leen biñu leen andé nak tay dañu jël exemple tax amna ci GIE yo xamantene dañuy liggéey ci lu jëm structurement ci walum environnement dañ koy bolé bo démé sum am nañ fa GIE bu tuddu femme développement et protection de l'environnement gannaaw ñom buñu doxé ci sen walum développement dañuy teunk ak xex ak lepp lu yaq suñu environnement am nañ ci sen vice présidente Mariama Senghor mi ngi fi am nañu soxna Ndey Sylla ci benen GIE am nañu soxna Kinendour ci benen GIE en attendant ñu am yu joggé mbam ak fenen ñu xamné dal jigéenu delta ci liñuy liggéey moy ci environnement waye ñi leen di jappalé ay acteurs lañu bo jëlé Mam Diegane jël Khadisek jël ma jël Hélène jël kenen ak Clémentia buñu ko bolé acteurs yoyu ñom ñoy gungé jigéen ñoñu bañu liggéey ci kon liñu mëna def moy lolu teunk ko waye nak dañuy renouveler suñu engagement ak suñu sincérité ci Cradex pour won ko né daño nekkon ci delta di liggéey mais amuñu won doolé bëggon naño carte graphique delta té amuñu moyen bëggon naño jangat delta té amuñu moyen mënuñu déplacer wu ndax geej neexul mënuñu jënd lén li ndax amuñu won moyen financier mais Cradex mom mo ñëw jël ay moyen tégal ñuko buma waré dem bétenti gal gi may dawal Cradex moy fay gal jënd carburant ba ma mëna jot tonton Bakari ba liggéey ak mom budé may dem jirnda Cradex moy def la même chose pour ma mëna jot Aissatou Sarr bu may dem Joal Cradex moy jël autom def ci carburant pour ma mëna dem jot Hélène kon Cradex amuñu fayam li dess kay moy li ñu ñu indil bes muy coopérative yi ñu wara monté ak andil ñu défal ñu renforcement de capacité ba jigen ñi wara mëna am lu ñu def ba Cradex tek ay projet de développement yo xamantene commencé na tay ci journée bi de l'environnement ndax dina permettre jigen ñu xam njariñul delta limu doon ak ni ñuy mëna def ba yok seen liggéey kon jaarama Cradex may ñaanal ñepp ñu def journée jamm lepp luñu fi jëlé yalla doon njariñ buñu paré yar nañu mëna dem défaral suñu bop lo xamné dina jariñ réew mi jariñ Sénégal way nak ñuy lancer wat un appel à l'état du Sénégal exploitation pétrole ci delta bu Sangomar tital na communauté yi war nañu mëna def lu tout ba encadrer ko ba duñu indil ben yak yak waye ñu def ba lepp lo xamantene roté na ci nañu fexé communauté yi jël ko ndax ñom ñoko mom appel bobu lañuy lancer état di leen ñaanal kenn lu jamm ak journée bu am réussite ma ngi leen di les deux bandés, chers doyens et collègues aussi. Et merci aussi pour l'ensemble des invités aussi. Nous avons amené nos fiteurs, moi, Mag, Ndaw, Kale. Tout ce qui est dans le monde, c'est nous, qui se trouve, qui se sent. Je content trop, parce que nous, c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons environnement. C'est ce que nous avons ñu nekké université ci lolou lañu amé suñu diplôme yépp xalé yi nekk ci université Sine Saloum ci lolou lañ leen di former amna buma fi joggé tay sax suba war nañu dem ba au niveau de l'autre partie du delta du Saloum Touba Kouta pour mëna yobbu xalé yi ñu jakarlo ñi nga xamné ño fa nekk ñu xam lu fay xew ñu xam aussi li ñeen wax ci biir classe yi ak li nek ci biti ndax suba ñun aussi ñu mëna sayto suñu rew parce que rew mi ñun ñepp ko bok ñun ñoko mom té ñun ñoko mëna sayto suñu bok parce que Touba bi di fi ñew di def sen gestu
di yobbu di ñu indi waat rek wax ñu nañ ko appliquer yalla def na ci ñun mon nañ lolu légui motax ma contente trop pour ñu waxtaan ak yeen ci walum bobu parce que buñu waxé kom kom alal fa am solo trop ci rew surtout bu ngeen ñëwé ci delta du sahara lolu mo waral ñu né ñun kat présentation bu ñuy def il faut ñu xam delta du sahara parce que le géographe va confirmer bo ñëwé ci benn dekk il faut nga xam dekk bi moy lan lolu bokut ñi li nga xamné bëgg nañ ko def manam xam delta du sahara ndax ñi fi nek ñi nga xamné dañuy dégg delta du sahara té xamuñu ko ñu xam lan moy delta du sahara lolu motax ñu wara commencer ci benn plan bo xamné dañ koy présenter présentation bobu ñu nara def moy dañuy woné commencement bi et ci bir commencement bi muy wax tuab diko wax introduction nañu wax au moins delta du sahara ñu xam lu fi nek xam aussi yan activité ño fi nek économique il faut ñu xam lan moy résilience il faut ñu xam aussi lan lañuy woyé communauté il faut ñu xam aussi lan lañuy wax changement climatique il faut ñu xam aussi lan lañuy waxé pétrole lolu aussi baxna trop ñu xam ko parce que ñun gestu kat yi lolu lañuy def dañuy xam d'abord luñuy am xam ko ba paré doora mëna xam yan anam lañu wara jël pour moytu li nga xamné mën nañ ko diural mu nek ci ay safane motax ñu né ci présentation bobu dañuy xol bo jëlé économie ak pétrole bu ñu wara exploiter yan jihi jaha la pétrole bi mëna indi ci biir dekk yi nga xamné ño nek dans le delta du Salo buñu xamé lool loolu mo ñu permettre ñu xam yan moyen lañu wara jël pour mëna saytu ou liko tubab di wax pour mëna prévenir ou anticiper sur les risques potentiels lool aussi baxna ñu xam ko alors de patch bi ci top moy 3ème bi moy aussi il faut ñu xam changement climatique parce que changement climatique lañ doon wax changement climatique amnañu ay effet yu bari ci aduna bi yeb le Sénégal n'est pas épargné parce que comme le disait mon collègue la pollution n'a pas de frontières pollution amul frontières mon nañu téé lepp sauf pollution jeen yi di dem mon ken monu ko téé jeen baangi fi tay suba mon na dem ba États-Unis wala donc koko aussi ken monu ko téé té yoy yeb dafa bax ndox mi aussi gis ngeen ko pétrole bi mon na touro fi dem ba fu ken xamul lol motax aussi ñu mëna xamné lolou bu ñëwé dina yok encore li nga xamné mom la changement climatique amone comme effet té lolou day gëna néwal doolé encore activité yi nga xamné mom lañ fi doon def activité dafa am solo légui lolou nak buñ ko défé ba paré nañ xam aussi yan anam lañ wara jël pour que activité yoy ñu continuer ko parce que comme luñu wax légui soit on individu c'est comme ça soit nga adapté wu soit nga disparaître lo rek mo ci nek et la résilience c'est exactement ça soit ni dekk delta du Salo bi yo yep ñewé dina ra dal sen kaw te xamuñu ko won dina am lu bari ci lu mu changer sen dundin légui nak lu ci dess moy lan soit ñom ñoy jël ay matukay pour mona gëna continuer du dundé ak yoyu te du len téré dara wala ah ken ñaanu ko yalla et ça arrive dans beaucoup de pays sinon nous déplacer les c'est pourquoi on parle aujourd'hui du droit de déplacer environnementaux terme bobu terme bu bess la té le plus souvent ñi nga xamné dañ leen di déplacer dans le contexte environnemental c'est des gens yo xamné nit ñoo xamné c'est parce que ressources yi nek ci souf ci té ñom ñu dekk ci souf sos wala ñu utiliser ce souf sos motax ñu leen di jëlé fofu di leen yobbu fenen amna ci dekk yu bari lolu aussi bokku na ci li nga xamné nañ ko joxé comme ay exemple pour won len né lolu ken ñaanu ko yalla mais mon na am duñu xarit bamu am ñu doora réagir c'est pourquoi aussi ci environnement bi yoon defa nangu ñu anticiper parce que li dina am wala du am worul ken yoon né na ngeen anticiper jël mesure bala mu ñew lolu lañ wax
principe de précaution. Lolo aussi amna solo trop ci walum saytu ay risque yi nga xamné ken xamul ndax dina ñew wala du ñew ken xamul lan lay doon aussi lolo aussi baxna trop. Alors delta du Saloum nak bu ngeen ko déggé comme xamna gënumako xam ñep mais ñi fi nek yépp fi lañ dekk. Man j'ai découvert le delta du Saloum pas très longtemps mais ci la wax né Sénégal amna lepp pour se développer. Légui bu ngeen ko xolé ci centre bi la nek le centre ouest benen côté bi sud moy Gambie. Légui nak delta du Saloum dafa am richesse bu am doole bi fi nek buñu wax biosphère et boko jélé mom mu ngi tolo ci 330 000 hectares. Donc lolu xam nga né lu yaatu la. Légui bo jélé les 76 000 hectares lolu yi nga xamné ndox par exemple walum ndox mi comme niko fam bi waxé légui ak fi nga xamné fofu lañu def parc national donc du delta du Saloum lolu aussi baxna trop pour ñu xam ko. Alors benen bi parce que sur le plan administratif aussi comme niko fam bi waxé légui delta du Saloum ci département Founioun la bok le département de Founioun ci région de Fatick la bok donc c'est baxna aussi parce que lolu day permettre autorité fi nek wala ku fi ñew nga mëna xam ci kan nga wara dem. Donc sur le plan administratif ça aussi c'est important ñu xam ko. Alors delta du Saloum aussi dafa am ay gox yu bari comme li tubab di wax les bras de mer yoyu xam ngeen ko ya lo Saloum ya Jombos ya lo Banja et après yoy yeen ngeen di wax ay bolon comme ni ñu ko waxé fi mom lañ tuddé bolon lolu aussi yakarna amna solo trop parce que bo xolé ça attire beaucoup de personnes au niveau international. Alors ñi fi dekk aussi baxna trop ñu xam ko parce que dekk bo fay dem da ngay xam seen ciosan nga xam ñan lañ setlu nañ ñi aussi am nañ fi ay mbokk soosé yi fi nek ak mbokk ñoomin kay ñi fi nek yoy aussi baxna trop ñu ko xam parce que quand on parle des droits des communautés c'est à dire buñu seytu le droit des communautés comment on dit yone yone voilà man nak dama xawul deg olof trop yone manam ak yelef doomi adama il faut nga xam lan moy culture am parce que culture dafa am doole ci doomi adama té yone day jëlale lolu en considération. C'est pourquoi aussi ñu xam ñu fi nek xam seen ciosan baxna trop lolu moy tax suba li ngeen fi def dina mëna réussir parce que bu ngeen ñëwé té xamulén ñu fi nek mon ngeen am problème. C'est très important que vous connaissez au moins la catégorie de la population qui est là. Maintenant, yane activité lañ fi exercer barina mais dañ ci jël activité yi gëna am solo moy agriculture activité bu am solo la fi pêche nap activité bu am doole la fi ku xam fu ñu xam nga ne jeen mo tax ñuy wax li ci gëna am doole. Amna aussi commerce parce que c'est une zone stratégique lolu mo waral sax dina ci anticiper port bi ñu installer ko fi parce que bo xolé joggé fi joggé Mali wara dem ba Dakar lolu guddu na trop buñu mo né am raccourci mon nañ ñew ba ci tiganté bi té bu xolé Sénégal fo ñun bokku na ci porte yi nga xamné jégué na trop et donc commerce bi dina gëna dox ci kanam avec le trafic et autres lolu aussi bokku na ci li nga xamné dañ ko fi def té ci kanam touti aussi dina gëna am solo. Activité yoy yep nak ñuy wax amna yenen yo xamné ñu ngi fi mais dañuy bay après ci biir waxtaan bi ñu délo ci ci activité yoy. Alors activité yoy ñuy exercer yep muy agriculture muy pêche yoy yep dafa am ay conséquences manam amna ay jafé jafé ci walum environnement parce que buñu waxé walum environnement dafa am ay yu bari yuko yu ci nek amna souf ci amna li nek ci souf ci moy garab yi amna mala yi ak yenen activité yoy ni nga xamné ñun ñokoy def moy agriculture moy commerce moy pêche yoy day am conséquence ci non seulement ci souf ci mais lepp lu nek ci souf ci mais ci biir ndox mi même aussi da ci am solo té yoy bokku na ci li nga xamné néméku nañ ko ci delta du Saloum. Alors bo xolé jafé jafé yoy lu ñu wax conséquence yoy légui day gëna yokku bu féké pétrole bi commencé nañ ko diko exploiter au niveau du delta du Saloum. Donc lolu
amagun ci ti parce que yaguñ ko mais les mes collègues seront d'accord avec moi que même quand on prépare l'exploration manam buñu pétrole bi amna déjà ay conséquences mais dañ ko dul wax mais amna ay conséquences buñ koy wout rek amna ay conséquences déjà waxatuma la nak ñukoy commencer diko gas diko exploiter donc conséquences yoyu day génné yok yi nga xamné mom mo fi nékkone les conséquences yoyu changement climatique bi moko indi won déjà wax nañ ko tangay bi ak yenen nañ ci ñëwaat yoyu aussi bo amé dina changer dundu ñu fi nek bu ngeen laajé suñu mam yi fi nekkone ak ñi fi top ak ñi nek nañ leen wax né amna lu bari lu fi changer amna lu bari lo xamné peut-être mag yi xamone nañ ko xamatu leen ko par exemple Tiof est-ce que Tiof mon ngeen ko gisati fi amna jeen yu bari yo xamné kenn dootu ko gisati fi lu waral lolu parce que changement climatique yi bokku nañ ci pétrole bi bu ñëw aussi amna jeen yo xamné dañu fi lañu jaar daw do ci ñu fi nek parce que ñom soxlawu ñu biri bu bari comme nit la soxlawul biri bu bari té sen jour day wañé c'est lool motax ñu né dina bax trop aussi que ñi nga xamné ño fi dekk ñu commencé di xalaat nan lañu wara def ba mona dekkul lool sino lepp li ngeen yakaron comme activité té ci activité yoy ngeen doon dundé bu moytul dina naxassay lool aussi motax ñu né thématique bi amna solo trop et té lool mo waral ñu né ah thématique bi kat ci contexte bobu rek lañ ko mëna tek légui nak luñu wax résilience moy lan résilience ci tubab bon dafa xawa difficile parce que même nous les intellectuels on a des problèmes et on n'a pas encore un consensus pour ce qu'on peut appeler résilience et donc ku ci nek ci sa walum nga koy essayer définir ñu xam lan moy résilience mais man de dama d'accord né résilience pour mu gëna simple du dara même da ngeen koy xolé ci xalé bu ndaw bu doora juddu nga jélé ko ci condition yo xamné lér na né li mën nako réy yaa ji du tok dé dina wut lo xamné xalé bi dina mëna nek ci jamm loolu lañu wax s'adapter parce que bu ko deful xalé bi mën na dé légui lutax mu koy def c'est parce que dafa bëgg aar xalé bi parce que xalé bi amna lo xamné choc yo xamné mënu ko supporter parce que son organisme n'est pas encore développé pour recevoir et supporter légui nak lolu mom lañuy wax résilience manam nit ki bu ben mbir ñëwé soit yow nga mëna dékku mbir bobu c'est-à-dire s'adapter wala mbir mo yobbu la lo rek la lolu lañuy wax résilience donc boko jëlé ci contexte buñ koy waxé ni moy résilience moy lan donc activité yi nga xamné da ngeen ko doon tamal di def amna leneen lu ñëw bu ga téré activité yoyu wa légui lan ngeen wara def soit ngeen essayer changer activité yoyu soit ngeen bay activité yoyu définitivement donc c'est pourquoi ngeen wara adapter wu ngeen wara adapter wu et donc résilience lool lay wara signifier pour mu gëna yombu ci ñun ñëpp ñu fi nek alors buñu joggé ci résilience légui économie résilience économique parce que c'est important on parle de la résilience mais aussi de la résilience économique alors fofu aussi économiste yépp d'accord ñu ba légui ñom ñu ngi discuter lan lañ wara tuddé résilience économique li lañ ko wara tuddé la lañ ko wé amna lo xamné ñun ñépp d'accord nañ ci moy ko buñu waxé résilience économique alors moy lima doon wax légui capacité bi nga xamné mom lañu am pour produire ñu maintenir ko ñu téyé ko manam jigéen yi nga xamné ñom amnañu activité yu ñuy def nan lañu mëna def ak yan moyen pour que activité bobu continuer di am malgré l'existence du pétrole et là dañ koy def pourquoi parce que amna yenen yo xamné musuñu ko won xam té mu ngi ñew té mën na leen fekk ci je donne juste un exemple famille di don dem peut-être amuñu won ay protège manam ay lu leen mëna aar parce que ndokh mi à l'époque bon amul won dara amul won ben danger ci ndokh mi mais bu pétrole bi ñëwé kenn xamul légui nak bu ñuy dem mën nañ di continuer mais nañ wut ay matuka yo xamné mën na leen permettre ñom seen bop bu ñu démé ba ci biir ndokh mi mu am lo xamné musuñu ko gis seen yaram bi mom bon ci nek en contact là lolu aussi amna solo trop c'est pourquoi économistes d'accord nañu né il faut s'adapter
et par rapport au choc. Lolo aussi amna solo trop. Alors luñu wax communauté, communauté c'est important parce que quand on parle de communauté manam nit ñi nga xamné ño dekk ci ben gox yoyu dafa am solo trop, notion bob dafa am solo. Té communauté yoyu bo xolé ci aduna bi yépp man daan na ci def gestu bu bari, amna ci cour bo xamné mom lay jangal xalé yi. Mais da ngay gis communauté yu bari yo xamné dañ leen do tirer ay fétal. Am communauté yo xamné dañuy ñew sen ndox mi ci lañuy jaar, nga gis fièvre yu bari commencé di ñew. Légui communauté yoyu dañuy obligé di déplacer wu parce que dootuñ fa mëna dund bo amul ndox. Souf si nga nek baxatul mëna to fa liggéey loy def da ngay déplacer wu. Légui nak buñu démé ba xamné loolu mu ngi gëna am doole ci aduna bi, ci la Nations Unies taxaw né ñi fokk ma wutal leen yoon. Bu ngeen xolé Arabie Saoudite pays nari pourtant pétrole lañu am, mais lutax ñu seen pétrole bi jiriñ leen moy lan? Parce que ñoom dañu xamné mënu ñoo défar pétrole bi, mais dinañu fexé lepp bu pétrole bi déllu ci ñoom. Nan lay déllu ci ñoom? Gis ngeen Dubai. Dubai kan mo fa bëggul dem? Ñoom ñep Dubai lañuy tassé. Légui ça veut dire que xaaliss bu ñu jëlé ci pétrole bi ñu koy financer ci seen dëkk yi. Té naari loolu lañu comprendre. Loolu nak dafa bokul ci li nga xamné dafa manké ci pays africain. Motax pétrole bi bu ñëwé da nga gis pétrole bi nek fi comme ni ngeen ko waxé mu leen di rombu. Di leen di rombu ngeen naan lu tax ndirign bi gisunu ko amana de ñu ngi def luñu wara def de parce que état bi nañ ko jox lu mu am, mais état bi moy décider xaliss buñ koy jox fan la koy duggal. Sama professeur directeur Cissé qui était le directeur de ces affaires là à l'époque, lool la ko waxon mané ko man mënuma comprendre nga gis par exemple les pays africains, le Niger, le Nigeria, la Guinée Conakry, etc. Tous ces pays-là, il y a de la recherche minière. Mais pourquoi ces populations ont tchono? Alors que l'affaire est ici, c'est une botte. La preuve est que Port Bangini, avec ses installations de stockage du pétrole, et après, c'est là où on va prendre le pétrole pour le transporter. C'est une botte. Mais, vous vous posez la question, là, la nuit d'hier après. Donc, aussi, il y a un trop. Pour que ñu téla xol li nga xamné mon nañ ko def ci biir dekk bi nga xamné ñi nekk ci pétrole bi mon nañu ñëw di fi dépenser wu. Loolu dina bok ci li nga xamné da ngeen sentir jiriñu pétrole bi. D'où l'importance de cette thématique de la création des GIE pour la résilience économique face à l'exploitation du pétrole. Loolu aussi amna solo trop. Na xamna mo taxone mané na insister ci bobu wala may dem parce que c'est important quand on parle de la résilience économique. Mon leena wax yi nga xamné aussi yeen nga wara préparer wu pour que pétrole bi bu ñew aussi mon leena jëriñ. Au Sénégal on en fait pas, on en parle même pas. Et alors que dans les autres pays dañu narona def ay montants financières, am hôpitaux yu bax, am hôtel yu bax, fi xam nga né secteur tourisme warna fi dox. Hôtel bi buñ ko dundalaté fi fuñuñ dina am ku joggé falé du dem louer ji Dakar wala mu dem faju ji Maroc, mais mon na dess fi fuñuñ dépenser lepp am fi fuñu wa doomu fuñu nagn ko ressentir. Mais buñu fexé et c'est ça le malheur des pays africains, lool yépp duñ ci baye xel motax ñom dañuy dem Maroc, dem Dubai. Légui Maroc moy gëna bénéficier wu ci pétrole bi ak Dubai ko ñun ñi dekk ci dekk bi. Lool aussi baxna trop ngeen xalaat ci bi nga xamné amna ay activité yo xamné mon ngeen ko def pour mëna jot ci retomber de l'exploitation du pétrole. Lolu baxna trop. Maintenant changement climatique aussi comme nuñ koy waxé légui dafa am solo. Bu ngeen ko xolé niñu doon béyé ak liñu doon am ci béy lolu yépp dafa changé. Luko waral parce que ndox mi barétul, taw mi barétul, naaj bi day gëna tang. Fi nga xamné do doon am ndox mi day gëna dem. Li nga xamné fofu lañ doon béyé da ngeen gis encore xorom bi di avancer. Lolu yépp dafa bok ci li nga xamné buñ ko xolé changement yi nga xamné mo am ci température mom mo waral ñuy wax changement climatique. Alors légui bu lolu amé état yépp dañu dajé won à Rio en 1992 ñu décidé né légui nak duñu tok di xaar aduna bi rek bo mu yaqku parce que bu environnement bi yaqko nit ci bopam day disparaître parce que ñun luñu yaakar ci aduna lu dul souf ci amuñu wénen fuñu mëna dék. C'est pas possible, la vie n'est possible que sur terre. Et donc si on ne protège pas la terre, on est appelé à disparaître avec la disparition de la terre.
C'est pourquoi nous avons jël ay matukaay. Matukaay yoy mo waral ñu jël convention des Nations Unies sur les changements climatiques en 1992 pour mëna pousse état yi ñu mëna xex tout ce qui est lié aux effets des changements climatiques. Et lolu mo waral tay ñu dem ba am le protocole l'accord de Paris, après le protocole de Kyoto et autres. Et ñu ci continuer ba légui. Lolu mo waral légui aussi comme sama natango bi num ko doon waxé légui, lolu mo jour justice climatique bi ngeen di dégg tay ak transition énergétique. Alors lolu yépp bu amé nak dañu waxone né amna activité yo xamné mën nañ ko moytu légui, manam lepp lu jëm ci pétrole war nañ ko bay, parce que pétrole dafa am lu bari lu muy jour té amna ci dëkk yu bari. Manam bo xolé pollution ndox mi geej bi amna probabilité comme am pollution parce que pétrole bi mën na tour lool mën na am amna ci dëkk yu bari. Bon amuñu buñu amone projecteur na len won ben exemple. Alors et quand vous prenez par exemple li nga xamné mom lañuy produire ici, par exemple da nga jël 200 entre 200 tonnes à 800 tonnes donc de puits qui sont foirés et qu'on a foré ici au niveau de Sangomar actuellement. Lool mo fi nek, lool aussi c'est important ngeen xam ko. Donc ça veut dire que il y a des risques liés à ces produits chimiques au niveau ce qu'on appelle donc des eaux du delta du Sahara. Lool c'est des risques potentiels. Yeneen risque yi nga xamné aussi mon na am moy risque de fuite, manam mon na am bonne mu dial, mon na am yo xamné aussi dañ koy tour ci bir ndox mi, lool yep mon na nek. Forage yi nga xamné mom lañu def mon na am problème, bu amé problème aussi mon na indi ay jihi jaha parce que pétrole bi day génn dañ koy tej rek, légui liko tej nak bu yakko day génn té bu génné mon na am répercussions sur la santé. Alors espèces yi nga xamné ño fay dundou ñoy dundou actuellement ci delta du Sahel xam amon na temps yo xamné dañuy daw fu len neex, mais xolal jeen yi amna jeen yo xamné dañuy ñew bo côté fu ñu foré nonu ñu bokk fa nek di fo jeen yoyu buñu démé ba gisatu ñu seen bop mënatu ñu avancer dañuy obligé retourner. Donc da ngeen di xol jeen yi dañuy genn encore rare, amna jeen yu bari yo xamné dootun fi jaar te lolu aussi amna solo yépp di lolu pétrole bi aussi mokoy waral. Espèces yoyu nga xamné aussi soxla wuñu bri bu bari parce que buñu bëggé nopaliku pour mëna jour bri bi nga xamné mo nekk ci biir exploitation pétrole de len di déranger yoyu aussi dina wañé ko trop ci biir delta du Sahel. Alors waxna ko légui port bangi ni dina am trafic, manam bateau yi di dem di ñew, bateau yi buñu dem di ñew dina am aussi ay risque parce que dina am fébar yu bari yo xamné musu len ko xam ngeen commencé diko gis diko xam. Lolu aussi docteur yi peut-être nañ ci gëna gestu wat ñu xamné lolu mën na indi ay jihi jaha ci biir seen wër gu yaram. Alors wax nañ ko légui conflit mënul ñak am parce que comme li ma wax légui bu ngeen gisé bateau bi garé yeb ba fess dem yonam ñi nek fi naan dañu am problème ndox dañu am problème courant alors que pétrole ba ñu ni diñu romb, c'est fort probable et ça arrive le plus souvent dans beaucoup de pays. Ken ñaanuko yalla mais nit ñi mën nañu xé rek né ken dootu fi baré fi lan la état bi def day jël gendarmerie ak police rek acca ñu commencé jamaalo ko yalla parce que dans tous les pays du monde c'est comme ça que ça se passe. Légui lool lu koy waral moy parce que nit ñi dañuy gis té waxtaan ñu au préalable pour prévenir tous ces risques et ça ce sont des risques potentiels qui vont et qui risquent d'arriver. Mais nak bon mën nañ ci baña and bu ngeen télé jël ay matukaay lolou mën nañ ko éviter. Alors amna ay risque yo xamné ça sera au niveau international lolou aussi parce que dekk yépp ay xicio pétrole Sénégal gis nga fuñu tok ni tay dekk yépp bëgg ñëw Sénégal parce que aduna bi dañu def ben étude bo xamné bo jëlé 70 millions de barils de pétrole mom lañu utiliser par jour et dañu waxone d'ici 2025 dina manquer trop ci aduna bi. Légi dekk yi nga xamné ño melni comme Sénégal ñu commencé diko découvrir ah ñaanuma ko yalla mais mënatu ñu tedd nelaw ba yando comme niñ koy waxé parce que ñepp bëgg duggu Sénégal té ñepp soxla Sénégal légui amna ño xamné ñoñu gëna soxla Sénégal légui
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aussi, il faut nous préparer pour que nous soyons le Sénégal, nous soyons le Sénégal, nous soyons le côté de notre pays. Alal bobu mo ñoo jëriñ loolu moy indi conflit yi ngeen di dégg yépp Congo il y a la rébellion de l'autre côté en Afrique de l'Ouest il y a aussi les conflits ainsi de suite la Libye à côté vous avez vu loolu kenn ñaanu ko yalla mais mënu ñu tok Sénégal rek di naan non 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 du fi ñew Sénégal du fi ñew Sénégal pour man dañoo wara bolo et c'est là où l'importance de la communauté à s'adapter ngeen gëna bolé sen doolé xam li ngeen soxla xam li ngeen bëgg bu pétrole bi mon leen jeriñ au lieu mu indi leen ay problème lool aussi bokku na ci li nga xamné c'est important parce que les multinationaux les seigneurs pétroliers qui arrivent ici à Foundiougne bon vous les verrez même pas duñ leen sax gis duñ fi sax ñew duñ fi sax ñew Sénégal mënu leen sax accueillir parce que Sénégal amuñu sax hôtel bu baax bu leen mëna accueillir buñu fébaré amuñu hôpital bu baax bu leen mëna accueillir buñu bëggé jënd lék ban marché lañuy dugg dañuy dem Dubaï Maroc rek lool nak Sénégal aussi warna ci mëna xex comme dekk yi melni comme delta du Saloum ñu gën léna valoriser pourquoi pas les delta du Saloum ñu transformer léne comme Dubaï mën na nek parce que ay nit rek ñoko def té ñun mën nañ ko.